Chers étudiants, chère audience, bonjour. Et permettez-moi d'abord de vous souhaiter à Madame Moubarak Saïd. J'espère qu'il nous sera porteur de sérénité, de foi, et que, avec ce confinement que nous vivons actuellement, nous prendrons le temps de nous ressourcer pour revenir à l'essentiel et devenir plus sages, plus forts et aussi plus heureux. Alors, permettez-moi d'abord de me présenter. Je m'appelle Hind Bennani, je suis la directrice du campus HEM Tanger et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette rencontre inédite avec Dr Mansef Slaoui, notre fierté marocaine et une sommité mondiale en vaccinologie et en immunologie. Alors, c'est un grand chercheur qui actuellement travaille d'arrache-pied avec son équipe de chercheurs pour justement mettre en place un vaccin contre le Covid-19. Et nous sommes très, très fiers qu'un Marocain soit associé à cette opération qui pourrait sauver le monde, entre parenthèses. Merci beaucoup, M. Mansef Slaoui, d'avoir accepté l'invitation d'HEM. Alors, je dois vous dire que notre rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des actions en développement personnel que HEM programme pour ses étudiants qui rentrent dans le programme de leur cursus Grande École. Et justement, c'est un trait d'union, on l'appelle trait d'union parce que ça permet aux étudiants de se rapprocher davantage de leur environnement, de découvrir un petit peu ce qui se passe en dehors de la classe, rencontrer des success stories, découvrir des success stories et justement pouvoir s'en inspirer pour plus tard. C'est, vous l'avez compris, c'est une activité qui normalement était dédiée exclusivement à nos étudiants, mais vu le grand succès qu'elle a rencontré auprès de notre communauté d'HEM, nous avons décidé de l'ouvrir et de permettre l'accès à tous. Comme ça, toutes les personnes intéressées auront la possibilité de nous suivre en direct. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à ma collègue Siham Challah, responsable développement personnel d'HEM Tanger, qui prendra en charge la modération de cette rencontre. Et bien entendu, c'est elle qui va transmettre toutes vos questions à notre cher invité. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez au niveau du chat et nous allons nous faire le plaisir de les transmettre à la fin de l'intervention de M. Slaoui. Et voilà, donc sans plus tarder, je vous souhaite une excellente conférence et je passe la parole à ma collègue Siham Challah. Merci Madame Bennani. Alors, je suis Siham Challah, responsable développement personnel et activités parapédagogiques au niveau de HEM Tanger. Et justement, à HEM, nous croyons en la force des mots et des histoires qui nous éclairent et nous élèvent de manière sublime et infime. Hier, libre d'aller et de venir, de franchir des portes et de circuler ici et là, à l'extérieur, dans le monde, nous voilà dans nos maisons, logeant en nous-mêmes. Dans les moments où la solitude, l'angoisse, les peurs, les doutes nous assaillent, nous n'avons d'autre moyen de résister que de rester ouvert, ouvert à soi, ouvert aux autres, ouvert au monde, ouvert à la vie. Et à HEM, l'ouverture en est une vraie culture. Ainsi, et avec beaucoup d'ouverture, que je vous remercie, professeur Mansef Slaoui, d'avoir accepté notre invitation pour rencontrer nos chers étudiants et lauréats, notre corps enseignant et administratif, groupe HEM. Je rappelle que vous êtes une sommité mondiale dans le domaine des vaccins. Vous étiez jusqu'à une date récente le directeur du développement et de la recherche au niveau du géant pharmaceutique GSK. Actuellement, vous êtes membre des conseils d'administration de 9 sociétés en biotechnologie, dont Moderna Therapeutics, la société américaine qui pourrait, bien vers la fin de l'année, mettre sur le marché le premier vaccin contre le Covid-19. Alors, je vais me permettre de vous appeler Mansef suite à votre demande, quoique ça va être un petit peu difficile pour moi, mais je me plierai volontiers à votre demande. Et là, je souhaite revenir sur le destin fabuleux de cet enfant prodigue. Alors, vos débuts furent au Maroc. Si nous pouvons commencer par les origines, mais avant de vous céder la parole, je vous rappelle que nous sommes en direct via Teams Live. Ceci dit, pour toutes les questions, chers publics, je vous invite à les noter dans la rubrique questions-réponses qui s'affiche sur votre écran. Et je serai ravie de les transmettre à notre convive de marque à la fin de la rencontre. Alors, Mansef, comme on dit en anglais, we are all ears. La parole est à vous.
Merci, merci beaucoup Siham, merci Madame Benali, merci HEM pour l'invitation et bonjour à tous et à toutes. Ramadan Mubarak Moussaoud. Ça a commencé ici, je crois, un jour avant, donc, mais je pense au Maroc, vous êtes toujours un, donc bon courage et bonne chance. Donc c'est un grand plaisir d'être avec vous et de discuter, comme j'ai expliqué à Siham. Et merci de m'appeler Monsef parce que ça me dérange quand on ne se met pas tous au même niveau, donc on est tous au même niveau. Mais donc, ce que j'ai pensé faire, c'est passer du temps à répondre aux questions que Siham va me poser et me posera, et puis surtout beaucoup de temps à adresser vos questions, parce que un des principes que j'ai toujours eu, c'est beaucoup plus important de parler à tout le monde sur les sujets qui les intéressent plutôt que de leur parler des sujets qui me sont chers éventuellement. Cela dit, je suis effectivement né au Maroc il y a pratiquement 61 ans. Je ne dirais pas que ça semble comme si c'était hier, mais je n'ai absolument pas l'impression d'avoir 61 ans. J'ai grandi dans une famille de 4 enfants. Je suis le deuxième enfant. J'ai une sœur plus âgée et 2 frères. Mes parents étaient moyennement éduqués, je dirais, donc on était au lycée, mais pas à l'université, mon père et ma mère. Mon père était un homme d'affaires avec une entreprise impliquée dans l'irrigation, et ma mère était à la maison et nous a éduqués, ce qui était un très gros job. Ils étaient absolument focalisés sur notre éducation, sur les études, et je pense qu'ils ont bien réussi, étant donné que leurs 4 enfants sont des docteurs. Ma sœur est professeure à l'Université de Casablanca en littérature française et psycholinguistique. Et mes 2 frères sont médecins. Malheureusement, un de mes 2 frères, Amin Slaoui, est décédé d'un cancer du pancréas il y a 14 ans, très jeune. Et un des messages importants qui a défini, je pense, beaucoup de ce que j'ai fait dans ma vie est lié à ce que mon père me disait tout le temps, enfin il nous disait à nous tous, il disait « Wala taqul kan abi bal qulha anada ». Ce qui en fait en français veut dire « c'est pas important de dire qui est votre père ou d'où vous venez, mais c'est beaucoup plus important de savoir qui vous êtes et en fait qui vous êtes ». Ce ne sont pas les paroles, ce sont vos actions. Et je pense à vraiment définir énormément de choses dans ce que j'ai fait. J'ai étudié au Maroc jusqu'à l'âge de 17 ans. J'ai eu mon baccalauréat à ce moment-là. Et c'était en 1976. Et j'avais franchement hâte de partir à l'étranger étudier, faire des études de médecine parce que j'étais fasciné par la biologie humaine. Comme je l'ai étudié pendant mes études à l'université. Ma mère est tombée malade pendant cette période du baccalauréat et c'était la première année où les universités françaises avaient demandé ou établi une nécessité de faire une préinscription avant l'inscription. J'ai raté cet événement à cause de la maladie de ma mère. Et donc, quand j'ai eu mon baccalauréat, j'habitais à 500 mètres du consulat de Belgique. Je me suis dit, tiens, il parle français en Belgique. Je vais aller passer ma première année en Belgique, à la fac de médecine à Bruxelles. Et puis, j'irai en France comme ça aurait été normal. Bon, j'ai fini par passer 27 ans en Belgique. Donc, ça ne s'est pas passé exactement comme j'avais prévu. Mais j'étais en Belgique pour faire mes études universitaires. Quand j'étais pour m'inscrire en médecine, ça c'est pour vous dire combien le hasard crée les opportunités, les inscriptions en médecine étaient saturées. Donc on m'a dit « Ah, mais faites une première année de biologie et puis après vous pourrez passer en médecine ». Ce que j'ai fait, mais bon, je ne suis pas passé en médecine après, je ne suis pas retourné en France après. Je suis resté en Belgique et une des raisons principales, franchement, c'est que pendant toute ma jeunesse, ayant grandi dans un environnement un peu, pas très, mais quand même un peu privilégié. J'étais toujours choqué par les différences sociales qui existaient au Maroc en général. Et mon père avait été militant pendant le protectorat français.
contre le protectorat pour l'indépendance, a été en prison pour ça, etc. Donc j'avais une fibre militante et, disons, socialement très active, qui n'était pas très développée pendant que j'étais au Maroc. Mais dès que j'étais en Belgique, j'ai rencontré des étudiants qui étaient impliqués dans l'Union nationale des étudiants marocains. Et à partir de ma deuxième année en Belgique, je suis devenu extrêmement impliqué dans du militantisme très actif, au point où pendant, je dirais, les deux dernières années de mes études de licence, ça occupait probablement la majorité de mon temps. Ça m'a énormément formé au niveau des aspects sur lesquels je reviendrai plus tard d'intelligence émotionnelle, à contraster à l'intelligence intellectuelle. Je ne sais pas comment on dit en français, mais EQ versus IQ en anglais. Le QI versus le QE, peut-être on dit, le quotient émotionnel, au niveau des interactions, de la communication, etc. Quand j'ai terminé ma licence, j'ai eu l'opportunité de rencontrer un professeur qui a totalement marqué mon futur, qui s'appelait Jacques Urbain. Malheureusement, il est décédé il y a quelques mois, qui était un immunologiste visionnaire extraordinaire et qui était un de mes profs pendant l'année de licence. Et j'ai fait ma licence, mes travaux de laboratoire chez lui. Et donc, il m'a fait fasciner, qui a créé cette fascination que j'ai eue, que je garde toujours avec le système immunitaire, que je traduis toujours en une phrase. On a un système biologique qui a évolué au cours du temps, dont l'objectif principal, c'est de prévoir l'imprévisible, ce qui est extraordinaire, parce qu'en fait, notre système immunitaire est capable de voir et de détecter n'importe quelle structure, même si ce sont des structures artificielles qui n'ont jamais existé dans le monde de la vie. C'est pour ça que j'ai parlé d'évolution, parce qu'en général, on pense que tout ce qu'on a développé d'un point de vue biologique dans notre corps, on l'a développé par sélection, par les activités qui ont existé, qu'on a expérimentées en tant qu'espèce vivante depuis des centaines de millions d'années. Et le système immunitaire, si on crée une molécule dans un laboratoire qui n'a jamais existé auparavant, est capable de la connaître. Donc j'étais fasciné par ça. Et comment est-ce qu'on a pu créer un système pareil? Et comment est-ce qu'on a pu le maîtriser? Et donc c'était très 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 important de l'étudier. Ce que j'ai fait ma thèse là-dessus, et puis avec ma petite amie à cette époque-là, je ne sais plus comment on appelait ça, mais bon, on était très sérieux, on habitait déjà ensemble, on a été faire un post-doctorat aux États-Unis, à Harvard Medical School, pour étudier encore plus le système immunitaire. Et ma petite amie, qui est devenue par la suite mon épouse, travaillait sur un virus bovin qui s'appelle le bovine leukemia virus, qui s'est avéré être, ça c'était en 1983, 84, 85, qui s'est avéré être en fait un très très proche virus du virus HIV ou VIH, qui a été découvert en 1983 comme étant la cause du sida. Et en fait, cette nouvelle... au hasard, en fait, le hasard qu'elle travaille sur un virus bovin dont personne ne voyait vraiment l'utilité, a fait qu'elle a été, au bout de deux années de passer aux États-Unis faire notre post-doc, elle a été recrutée dans une boîte pharmaceutique qui avait son centre mondial pour les vaccins basé en Belgique, qui s'appelait SmithKline-Rite, qui aujourd'hui est la plus grande boîte de vaccins du monde au travers de... SmithKline s'appelle maintenant GlaxoSmithKline, a été recruté pour faire un vaccin, pour diriger une équipe de recherche pour un vaccin contre le sida. À l'époque, j'ai trouvé que c'était absolument débile de rejoindre l'industrie, qu'il fallait rester dans le monde académique. Et donc, je suis retourné en Belgique avec elle et je suis devenu prof dans la faculté de médecine. Mais pendant trois ans, entre 1985 et 1988, je me suis rapproché de cette compagnie, SmithKline, et j'ai pu voir la science qui était utilisée pour découvrir des vaccins, en particulier pour le vaccin HIV. Je suis devenu consultant pour eux. Et quelque part, au bout de ces trois années-là, j'ai compris finalement
donc j'étais passionné par l'immunologie, mais j'étais aussi passionné au travers des années de militantisme et la culture dans laquelle j'ai grandi, d'avoir un impact sur le monde, sur les gens. Et en fait, le vaccin permet de faire les deux. Découvrir un vaccin permet de faire de la science de pointe et en même temps d'impacter la vie de centaines de milliers de gens. Je suis désolé, ça me rend toujours très émotionnel. Et donc, j'ai rejoint cette compagnie en 1988 pour diriger des recherches sur un vaccin contre la malaria, qui était pour moi très important parce que c'est évidemment une maladie des pays du tiers-monde qui sont souvent très négligés, mais aussi un vaccin contre les maladies de l'herpès et d'autres maladies par la suite. Bon, je m'arrête là parce que c'est à ce moment-là que j'ai rejoint l'industrie, qu'une nouvelle carrière a commencé, mais donc par une succession de, je dirais, de passion pour avoir de l'impact positif sur la société d'une part et pour la science d'immunologie d'autre part. Ça, c'est des choses que moi, je conduisais, disons. Et par une succession de hasards. Aller en Belgique, avoir une amie qui travaillait sur le bovine leukemia virus, qu'elle soit recrutée et que juste au moment où HIV est ressorti et que ça m'ait mis en contact avec une boîte de vaccins, sont des événements de hasard sur lesquels j'ai agi, évidemment. Mais donc, c'est tout ce qui a suivi est une conséquence de ces deux choses-là, des choses que moi j'ai déterminées, des choses que le hasard a créées. Je m'arrête là. Alors, un parcours académique à l'étranger, avec une première escale en Belgique, est-ce que vous avez senti déjà à l'époque les prémices de cette fulgurante réussite? Pas du tout. En fait, franchement, je n'ai jamais planifié ma carrière. J'ai eu la chance et l'opportunité de faire ce que j'adorais, ce que j'adore. Je l'ai fait sans limite, aucune. Tout en m'amusant, franchement, je suis quelqu'un qui travaille très fort. Je reviendrai là-dessus un moment plus tard. Je peux être hyper focalisé, mais je m'amuse aussi très fort. J'ai plein de copains. J'ai toujours eu une vie sociale développée, je dirais. Donc l'un n'était pas au détriment de l'autre. Mais ce qui était important, en fait, c'est que j'ai toujours été passionné par ce que je faisais et par le fait de délivrer ce qu'il faut délivrer. Pas passer toute ma vie à parler, mais donc d'être focalisé sur trouver une solution au problème qu'on a devant soi et exécuter pour tester cette solution, et bien elle marche ou elle ne marche pas. Et la carrière, en fait, a toujours été une conséquence de la performance, plutôt qu'un objectif clairement défini, autre que de dire je veux absolument découvrir des vaccins, je veux faire une différence pour le monde, j'adore l'immunologie, je veux faire de la science de manière appropriée, ce genre de choses-là qui sont internes et qui en fait finalement étaient mon moteur interne. La suite est absolument toujours arrivée comme quelqu'un qui me dit écoute, c'est génial ce que tu as fait, on veut que tu fasses plus, ou que tu as un rôle plus important, etc. Et j'ai évolué dans cette entreprise, en fait, deux fois, je dirais. J'ai passé 29 ans dans GlaxoSmithKline. Les premiers 15 ans, j'étais dans la partie vaccin, et basée en Belgique, où j'ai commencé comme donc chercheur, ça s'appelait à l'époque Senior Scientist. J'étais l'employé numéro 602 de l'entreprise. Il y avait à peu près 120 personnes dans la recherche et développement. Le reste était dans d'autres activités, y compris le manufacturing, donc pour fabriquer les vaccins. Et sur les 15 ans que j'ai passé là, mon rôle a évolué pour devenir le chef de la recherche et développement pour les vaccins et puis le numéro 2 de l'entreprise des vaccins. Et en 2003, quand le CEO de GlaxoSmithKline, qui était basé à Philadelphie à l'époque, m'a demandé de rejoindre
la maison mère des vaccins, la maison mère GlaxoSmithKline, qui est donc une division vaccin, puis une division pharmaceutique et une division produits de santé. La division des vaccins avait, on était passé à peu près à 6000 personnes. Et à ce moment-là, on était la deuxième compagnie de vaccins au monde. Et aujourd'hui, il y a à peu près 20 000 personnes qui travaillent dans la boîte des vaccins. Il y a une énorme réussite et une évolution très, très grande. Et en 2003, donc, ayant progressé sans jamais demander ma carrière dans la partie vaccin, on m'a demandé de rejoindre la corporation GSK, ce que j'ai fait. Et de nouveau, j'ai commencé par être testé pendant 2 ans en étant le chef global de business development de GlaxoSmithKline, plus pour me familiariser avec la partie pharmaceutique, qui est assez différente de la partie vaccin. Et puis en 2006, on m'a demandé de devenir le chairman de recherche et développement de tout GlaxoSmithKline, ainsi que de rejoindre le board de la compagnie. Et puis par la suite, de cumuler ce rôle avec un rôle de chairman de la division vaccin que je connaissais très bien en tant que business. Et de nouveau, en fait, je n'ai jamais pensé que j'aurais ce genre de job-là. Jamais. Par contre, je n'ai jamais hésité à prendre le challenge qui m'était offert et de le tester à fond. Je reviendrai un peu sur mon apprentissage. Et disons, en gros, un des points les plus importants, c'est que je n'ai jamais commencé un rôle en pensant que je savais le faire. J'ai toujours commencé un rôle en décidant que je devais apprendre et comprendre avant de l'exécuter à fond et toujours écouter les gens activement était très important. Et après 29 ans dans GSK, donc ayant eu le privilège d'avoir découvert plusieurs vaccins qui sont actuellement en utilisation chez l'homme et qui impactent la vie de plusieurs centaines de millions de personnes, GSK produit à peu près 3 milliards de doses de vaccins par an, et donc impacte le monde de manière significative. Et ayant dirigé la recherche et développement global de GSK, qui est une entreprise, GSK a à peu près 120 000 employés, et la recherche et développement avait, dépendant des moments, entre 16 000 et 9 000 chercheurs impliqués dans la découverte de 23 médicaments qui ont été aussi approuvés par les autorités régulatoires sur le temps où je dirigeais la recherche et le développement. Après 29 ans, j'ai atteint l'âge où on doit prendre sa retraite du board de GSK. Et donc, il y a presque 3 ans, et j'ai absolument aucune envie, je n'avais aucune envie de ne pas travailler, surtout de quitter le domaine de l'immunologie, enfin de la science des vies en général, de la découverte des médicaments, de vaccins. Et donc, j'ai décidé de devenir un investisseur dans une venture capital firm pour aider des compagnies à investir dans des chercheurs qui ont des nouvelles idées et qui ont besoin de ressources pour suivre ces idées. Une de ces entreprises qui existait déjà mais que j'ai rejoint était Moderna, et donc j'ai rejoint le board de Moderna et je chair le comité des vaccins du board. Et donc, il travaille sur COVID-19, je peux vous en parler plus. Mais donc, là était le parcours. J'ai oublié de dire quelque chose qui est très, très important pour moi. J'ai 3 enfants, 3 garçons, qui ont 33 ans. Celui qui a 33 ans habite en Belgique. En fait, donc, ils sont nés en Belgique et puis ils sont venus avec aux États-Unis. L'aîné avait 16 ans quand je suis venu aux États-Unis, le deuxième avait 14 ans. Et le troisième n'existait pas encore. Donc, mon premier garçon, qui a 33 ans après avoir vécu aux États-Unis aussi un peu, comme il avait grandi pendant 16 ans en Belgique, il est revenu en Belgique pour faire ses études universitaires et il habite toujours là. Et c'est un entrepreneur. Il a créé des compagnies. Il en est à sa deuxième compagnie.
J'ai un autre garçon qui a 31 ans, il va bientôt avoir 31 ans, qui lui a décidé de rester aux États-Unis, qui habite ici à Philadelphie, où je passe la majorité de mon temps. J'ai un troisième garçon qui a 7 ans et demi, qui est né ici aux États-Unis. Enfin, il est né quand on habitait en Angleterre. J'ai passé à peu près 4 ans aussi en Angleterre. Et qui a 7 ans et demi. Mon épouse, donc depuis 5 semaines et demie, on se retrouve beaucoup plus proche que ce qu'on était avant. Je connais tous les coins de ma maison. Voilà. Et donc ma famille est très importante pour moi et joue un rôle très important. Alors, je reviendrai justement à cette passion pour l'immunologie et pour la vaccinologie. Justement, d'où est-ce que vous puisez cette passion? Ben, en fait, c'est le professeur Jacques Urbain, donc, qui était professeur à la faculté de biologie de l'Université libre de Bruxelles, qui était franchement un scientifique visionnaire, un scientifique comme on en fait de moins en moins, qui avait une grande vision et qui a créé, disons, qui a focalisé ma passion pour la biologie. Je suis toujours fasciné par la complexité de la biologie de la vie en général et dans l'être humain en particulier. C'est extraordinaire quand on réalise la minutie et l'énorme complexité qu'on a. Et puis de trouver là-dedans, dans toute cette complexité, un système qui, en plus de tout ça, un peu comme notre système nerveux aussi d'ailleurs, est capable de prévoir l'imprévisible, de s'adapter à n'importe quoi. Donc, cette dimension-là que Jacques Urbain a développée, disons, a révélée, m'a passionné. Et donc, j'avais une très, très, très forte interaction avec lui, tout le temps, même une fois que j'ai quitté l'université, etc. Donc, définitivement, lui. Et je dirais l'autre, c'est la découverte que les vaccins, d'abord dans une seringue avec un petit peu de liquide dedans, il y a 10, 15, 20 ans, et le travail de milliers de chercheurs qui est condensé dans ce petit volume pour faire un vaccin qui va être safe, donc pour les gens, parce qu'on vaccine les personnes quand elles ne sont pas malades, et qui va les aider à se protéger contre les maladies pendant le reste de leur vie ou pendant un temps important. Et malheureusement, on se trouve aujourd'hui à un moment où on réalise qu'est-ce que ça veut dire les vaccins. On réalise qu'est-ce que ça veut dire les vaccins. Imaginez qu'il n'y ait pas les vaccins qui existent déjà. Le monde serait toujours comme il l'est aujourd'hui à cause du Covid. Effectivement. On aurait la polio, on aurait la diphtérie, le tétanos, le pertussis, le rotavirus. On aurait des maladies infectieuses à tire-larigot, comme on les avait, disons, même dans les années 1800, où l'espérance de vie n'était que de 40 ans. Aujourd'hui, l'espérance de vie est au-delà de 80 ans. Et c'est principalement grâce aux vaccins, principalement. C'est l'eau potable et les vaccins. Et donc l'impact sur le monde est énorme et on le vit aujourd'hui. Si on n'avait pas les vaccins qui existent, on serait en confinement tout le temps et franchement, la société ne se serait jamais développée comme elle est aujourd'hui. Donc c'est de là que vient ma passion et je l'ai encore à 100%. Il y a peu d'activités qui peuvent avoir autant d'impact sur l'humanité. Et d'avoir l'opportunité de participer à ça, je trouvais et je trouve, était une chance extraordinaire que j'ai saisie à 1000%. Je ne vous entends pas. Là, vous m'entendez? Oui.
Alors, je disais, avant de passer justement à cette crise sanitaire inédite, je rappelle que pour toutes vos questions, cher public, il y a une rubrique questions-réponses dans laquelle vous pouvez insérer toutes vos questions que je vais par la suite transmettre à professeur Slaoui à la fin de la rencontre. Restez en direct avec nous. Alors, professeur Mounsef, pardon, nous profiterons de votre présence aujourd'hui en exclusivité pour les étudiants de HEM pour évoquer la pandémie COVID-19, le plus grand défi auquel nous ayons été confrontés depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais le COVID-19 est bien plus qu'une crise sanitaire. Cette pandémie a le potentiel de créer des crises sociales, économiques et politiques dévastatrices qui laisseront malheureusement de profondes cicatrices. Nous aurons besoin de votre propre lecture de ce qui se passe actuellement de par le monde. Oui, donc je suis complètement d'accord que la crise, elle n'est pas seulement sanitaire. Elle a révélé la fragilité du monde dans lequel on vit aujourd'hui, à plusieurs niveaux. Enfin, d'abord, je voudrais dire quelques mots par rapport à COVID-19. Je pense, malheureusement, il y a une quantité de misinformation, d'informations erronées qui circulent, qui est très dommage. Je pense absolument pas que ce virus ait pu être fabriqué. J'irais même jusqu'à dire que c'est impossible pour un être humain de fabriquer un virus avec la compréhension qu'on a de la biologie, spécifiquement pour qu'il ait les caractéristiques que ce virus a. Maintenant, que ce virus ait été isolé parce qu'il avait déjà infecté des êtres humains, c'est ça l'étape la plus critique pour un virus qui, on appelle ça faire un saut d'espèce de la chauve-souris où ce virus existait à l'être humain. Et qu'il soit infectieux, mais pas trop infectieux pour ne pas tuer les gens. C'est pour ça que je vous explique pourquoi c'est impossible qu'on l'ait fabriqué. Pour qu'un virus soit un succès d'un point de vue du virus, il faut qu'il infecte un maximum de gens, mais qu'il les tue pas tous rapidement. Parce que s'il les tue, il arrête de se transmettre. Okay? Si vous avez un parasite qui se met sur un arbre et qui tue l'arbre, c'est mauvais pour le parasite parce que le parasite va disparaître aussi. Donc les virus qui sont des succès sont des virus qui ont une agilité extraordinaire à être très infectieux. Et en fait, quand ils rendent les gens malades, c'est un échec pour eux. D'un point de vue de l'évolution, un succès pour un virus, c'est d'être là et d'infecter un maximum de gens sans les tuer, de pouvoir infecter encore plus de gens. Donc trouver la balance entre la pathogénicité, la virulence du virus et sa capacité à infecter est un truc qu'on ne comprend pas et qui est pratiquement impossible à prédire. Même quand un virus l'a, on ne sait pas exactement pourquoi il l'a parce que c'est très, très, très complexe. Et donc ce virus, il l'a. Il est passé du monde animal au monde humain et je pense que ce phénomène a existé tout au long de l'existence de l'humanité. Ce qui est différent maintenant par rapport à avant, c'est la globalisation. En fait, il y a eu des études maintenant en regardant, simplement traçant les téléphones des gens. Le nombre de personnes par jour qui passent d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, se compte en centaines de milliers. Et donc d'une ville à l'autre, probablement dans un pays en millions, si on prend un grand pays comme les États-Unis ou la Chine par exemple, ou on regarde l'Europe en général, ou l'Afrique, hein, si on prend des surfaces grandes. Et donc la capacité à ce que un virus comme COVID-19 passe d'un continent à l'autre, d'un pays à l'autre, a été accéléré de manière extraordinaire par le mode de vie et la structure sociale qui existe à cause ou grâce à la globalisation, tout comme tout un niveau de développement économique et social et un niveau de rupture économique et sociale, c'est aussi développé grâce à la globalisation. Je pense que le monde a compris que des pandémies vont arriver. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup de scientifiques, parmi lesquels moi-même, avaient compris que ces pandémies pouvaient arriver depuis longtemps. Et en fait, en 2016, la compagnie où je travaillais, GlaxoSmithKline, et moi-même avons proposé
au monde politique de l'OMS, WHO, au gouvernement européen, au gouvernement américain, de créer des compagnies qu'on a appelées Biopreparedness Organization, qui feraient des vaccins contre des virus hypothétiques, mais surtout qui seraient déjà entraînées à faire un vaccin instantanément dès qu'un virus sort. Et alors que les pays investissent des sommes énormes dans le fait d'avoir des armées pour prévenir le risque éventuel d'une invasion, on n'a pas compris qu'on devrait aussi créer une sorte d'armée différente, qui est des armées scientifiques, technologiques, qui devraient être là pour nous aider à contrecarrer des agresseurs différents, qui sont donc les pathogènes. J'espère qu'on prendra la leçon cette fois-ci. Mais Covid-19 va absolument marquer, je pense, la société, le monde. Les disparités économiques sont exacerbées. Même dans un pays comme les États-Unis, j'imagine dans un pays comme le Maroc, l'impact est énorme. 50% des gens aux États-Unis ont un travail payé à l'heure, dans un des pays les plus développés du monde. Et ils gagnent entre 8 dollars et 13 dollars de l'heure, et ils ont zéro savings, épargne, zéro. Et 26 millions de personnes dans les 7 dernières semaines ont perdu leur job aux États-Unis et probablement bien plus. Et en fait, il y a des files de milliers de personnes qui font la file pour recevoir la bouffe gratuite, la nourriture gratuite, parce qu'ils n'ont plus rien à manger. J'imagine que ce genre de drame est en train d'exister partout et encore plus dans les pays en voie de développement. C'est dramatique au niveau individuel, c'est dramatique au niveau social, et j'espère que ça va poser plus de questions par rapport à plus d'équité sociale et par rapport aux personnes les plus démunies ou les pays les plus démunis. Mais il y aura aussi, à mon avis, des effets positifs d'une certaine manière, dans le sens où de nouvelles industries et de nouvelles manières d'interagir vont exister. Qui existaient déjà, mais vont être accélérées. Certainement, par exemple, le commerce digital va encore se développer énormément plus vite que ce qu'il a été. Les communications, comme on est en train de les avoir, vont augmenter de manière extraordinaire et probablement mettre moins de pression sur la balance entre la vie familiale et la vie professionnelle. Beaucoup d'entreprises maintenant sont en train de comprendre que une grande partie de leur workforce ne doit pas nécessairement venir au bureau tous les jours et peut travailler à partir de la maison et être très productive. Donc il y a beaucoup de choses qui vont changer, et moi j'ai confiance en la créativité humaine. Je pense qu'il y aura beaucoup d'industries d'entrepreneurs qui vont saisir de nouvelles occasions, de nouvelles idées. Et après des moments difficiles liés à la crise, comme je l'ai décrite maintenant, je pense qu'on aura, la société va se développer et on va trouver des vaccins, et on aura, et on va pouvoir contrôler ce virus et continuer à se développer. Alors, Monsef, peut-on avoir votre avis sur l'approche médicamenteuse, plus précisément votre avis sur l'hydroxychloroquine? Oui. Alors, je sais que c'est controversé, mais moi, j'ai toujours, au cours de ma carrière, appris que ce n'est pas parce qu'on pense que quelque chose fait quelque chose que c'est vrai. Il faut avoir les données scientifiques qui le démontrent. Et parfois, quand on a des données imparfaites ou incomplètes, on peut franchement se tromper. Et donc, il faut faire très attention. Mon premier commentaire, c'est jusqu'à présent, il n'y a aucun médicament contre Covid, contre le virus SARS-2, qui a été testé de manière scientifiquement rigoureuse, c'est-à-dire où on compare des gens traités avec le médicament avec des gens qui ne sont pas traités avec le médicament, et regarder les résultats. Il n'y a aucun médicament qui a fait ça jusqu'à présent, sauf des nouvelles petites études avec deux médicaments, l'hydroxychloroquine, où en fait,
avant-hier, une réunion de la Food and Drug Administration avec plein d'experts a conclu que les résultats jusqu'à présent sont complètement non conclusifs et qu'il ne faut pas traiter les gens avec l'hydroxychloroquine. Et si jamais on le fait, il faut vraiment être hyper attentif à ce qu'on appelle l'index thérapeutique. C'est-à-dire qu'il faut vraiment s'assurer qu'ils sont tellement mal en point qu'ils pourraient avoir un bénéfice malgré la toxicité de ce traitement. Je sais qu'au Maroc, on a décidé de traiter les gens dès qu'ils sont positifs, même s'ils n'ont pas de symptômes. Mais je pense que, bon, personnellement, je n'aurais pas pris cette décision. L'autre médicament est un médicament antiviral qui a été développé contre Ebola par une société qui s'appelle Gilead. En fait, hier, il y a eu une communication inappropriée de la part de l'OMS, mais quand même, qui a montré, qui a décrit qu'une étude faite en Chine pendant la pandémie, où ils ont fait une étude comparative de personnes traitées et non traitées, n'a pas montré d'effet positif. Donc, pour l'instant, il n'y a aucune donnée scientifique valide et rigoureuse qui montre qu'il y a un médicament. Ça ne veut pas dire que quand on aura fait toutes les études, on ne trouvera pas qu'il y a un bénéfice, mais donc il faut attendre que ces études se terminent. Elles ont lieu. Il y a plus que 800 études cliniques de par le monde qui ont lieu. Elles vont avoir les résultats dans les semaines qui viennent, je dirais pendant le mois de mai, le mois de juin, et donc on saura. Alors, je vais revenir avec vous à cette question du vaccin, justement. Qu'en est-il du protocole de mise au point du vaccin? Et est-ce que c'est la seule façon de diminuer la morbidité et la mortalité de ce virus? Oui, alors la manière de diminuer la mortalité et la morbidité du virus, c'est d'être immun contre le virus. Et il y a deux manières d'être immun contre le virus. L'une, c'est d'être infecté par le virus et survivre. Et l'autre, c'est d'être vacciné. Alors, en fait, il y a encore des données qui sont littéralement apparues hier qui confirment que, en gros, une personne sur 1000 infectée par le virus meurt. Et ce sont surtout des personnes âgées avec des maladies chroniques sous-jacentes. Si on fait le calcul, il y a 8 milliards de personnes. Si on laisse ce virus circuler dans les 8 milliards de personnes, il y aura plus ou moins 8 millions de morts. C'est énorme. Donc, gagner de l'immunité contre ce virus en le laissant nous infecter de manière incontrôlée pour créer ce qu'on appelle herd immunity, ou, franchement, je suis désolé, je ne sais pas comment on dit en français, l'immunité au niveau de la population. On peut le faire, mais ça vient avec un coût énorme de mortalité. C'est pour ça que tous les gouvernements ont fait ces politiques de distanciation pour éviter qu'on ait des énormes pics de mortalité, mais plutôt de faire qu'on s'infecte petit à petit. Et aujourd'hui, par exemple, dans la ville de New York, hier, il y a eu des résultats qui sont sortis qui montrent que 25% de la population a déjà été infectée par ce virus. À peu près 2% de la population est tombée malade et à peu près 0,2% sont morts. 1 pour 1000. Si on a un vaccin, on peut vacciner tout le monde sans mort résiduelle. On peut éviter plusieurs millions de morts et accomplir le même résultat. Donc pour moi, le vaccin est la seule solution. Il y a des solutions intermédiaires. Si on a un médicament qui marche réellement, on peut éviter ce que des gens meurent, mais ils seront malades, ils iront à l'hôpital, les hôpitaux seront submergés, etc. Donc le vaccin est vraiment la solution unique. Il y a énormément d'activités de recherche et développement autour des vaccins. En fait, l'OMS a maintenant compté 130 projets de vaccins de par le monde. Je ne pense pas qu'il y aura 130 vaccins. Je pense en fait qu'il y a une dispersion d'efforts, mais il y aura certainement 5, 6, 7 vaccins différents qui vont arriver. On comprend quelle est la cible sur le virus qu'il faut cibler et nous immuniser contre, ça c'est très très important. Et là maintenant, on sait que certains de ces vaccins, parmi lesquels celui où je suis impliqué
sont capables de protéger les animaux contre une infection par le virus du COVID-19. Donc ça, c'est très important comme première étape. Et on est en train de faire des études cliniques. Donc le vaccin que Moderna développe était le premier, mais je ne sais pas si vous avez probablement vu hier, il y a une nouvelle étude clinique qui a commencé en Angleterre avec un vaccin. Il y avait une deuxième étude qui a commencé aux États-Unis avec un deuxième vaccin. Donc il y a déjà trois vaccins qui sont en étude clinique. Je suis convaincu, mais je ne peux pas vous dire tous les détails, étant donné que Moderna est une société publique et donc il y a toutes des règles qui font qu'on ne peut pas parler d'informations confidentielles. Mais je suis convaincu et confortable que les vaccins vont marcher et qu'il y aura des vaccins. La problématique deviendra, je pense, en 2021, qui va recevoir ces vaccins, parce qu'il n'y en aura pas 8 milliards de doses. Il n'y aura pas 8 milliards de doses immédiatement. Et ça prendra du temps de construire toutes les usines qu'il faut pour arriver à ce genre de quantité de vaccins. Et il y aura des grandes questions éthiques. Mais, comme on dit en anglais, it's a good problem to have, parce que si on n'a pas de vaccin, cette question ne se pose pas. Si on a des vaccins, ça serait important de bien réfléchir qui faut-il vacciner, et j'espère que, de nouveau, la rigueur scientifique plutôt que la politique va aider à ces décisions-là. Et donc, je suis optimiste, très optimiste. Alors justement, l'optimisme est de rigueur. Alors, je vais évoquer avec vous, Mounsef, les questions éthiques relatives au vaccin. Comment vont-elles être gérées? J'espère qu'elles seront gérées principalement par la rigueur scientifique, ce qui veut dire ceci. D'abord, si on regarde, les personnes les plus à risque sont deux populations. Les personnes âgées avec des maladies chroniques sous-jacentes, et quand je dis âgées, c'est au-dessus de 70-75 ans. Et deuxièmement, c'est ce qu'on appelle les first responders, les personnes qui sont en première ligne en contact avec le virus, c'est-à-dire les médecins, tout le personnel hospitalier, infirmiers, etc. etc. Ce sont les sapeurs-pompiers, les ambulanciers, la police, dans le sens protecteur du terme. Et puis, après, il y a d'autres populations qui sont hyper importantes pour que la société continue à exister. Les transporteurs, les camionneurs, les personnes qui sont dans les supermarchés ou dans les magasins, qui font qu'on arrive à avoir de la nourriture tous les jours. Donc, il y a une logique dans la société soit de risque ou bien de criticalité au tissu social qu'on pourrait utiliser pour vacciner. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais, il faut regarder où se trouve l'épidémie au moment où le vaccin devient disponible. Il se peut parfaitement, par exemple, si je prends même au sein d'un même pays, si je prends New York, à mon avis, en janvier 2021, la majorité des gens à New York auront déjà expérimenté ce virus, ou plus ou moins. Alors que, j'invente, au milieu des États-Unis, dans l'Oklahoma, l'épidémie fait rage, est en train de monter. Donc il faut aller vacciner là où l'épidémie est en train de monter, pas là où elle est en plateau ou bien en train de descendre, en tout cas en priorité. Le même raisonnement est vrai pour des pays, donc il faudra regarder, grâce à l'OMS par exemple, quels pays sont les plus à risque là maintenant, au moment où on a le vaccin, pour aller vacciner dans ces pays-là, les gens à risque et les gens qui sont en première ligne. Donc ça, je dirais, c'est le raisonnement logique, non politique. La réalité, c'est bon, j'étais impliqué dans la pandémie H1N1 swine flu en 1988-89, qui avait fait très peur, mais qui avait, en fin de parcours, tué moins de gens que ce qu'on craignait. Et après, les politiciens n'étaient pas contents. Mais pourquoi on a dit que c'était une pandémie? Parce que c'était une pandémie. En fait, on avait par exemple une société en Allemagne qui fabriquait le vaccin, et le gouvernement allemand a dit « bon, moi je veux 60 millions de doses, et si vous ne me donnez pas 60 millions de doses, j'envoie l'armée pour prendre contrôle de l'entreprise ». Donc, la politique et les aspects nationaux, disons,
vont certainement se superimposer. Mon point de vue personnel, c'est que les valeurs éthiques sont la seule chose qui persiste. Toutes les autres données, en fait, ont un rationnel à très court terme. Mais les choses qui ont un rationnel, qui ont une vie, une pérennité de durée, ce sont les valeurs. Et les valeurs éthiques et les valeurs morales. Et si on ne les respecte pas, on tue la confiance que la population peut avoir dans un gouvernement, dans une société ou dans une approche philosophique. Et pour moi, ça, c'est irréversible. Donc, malheureusement, aux États-Unis, pour l'instant, on a un gouvernement qui n'est pas vraiment aligné sur ces valeurs-là. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais je compte être très actif, comme je l'ai été auparavant, dans le fait de parler de ça à voix très haute. Et bon, je suis très content qu'en fait, il y a plein de gens qui ont eu le privilège d'avoir des fortunes énormes comme Bill Gates et d'autres qui sont très fort focalisés là-dessus. Je sais pas, j'étais vraiment content de voir hier qu'il y a la personne la plus riche d'Arabie Saoudite, je ne me rappelle plus de son nom, a donné toute sa fortune de 29 milliards de dollars pour des activités de charité publique et globale. Ce qui est bien parce que ce sont bien sûr juste des petits points, mais ce sont des points qui réveillent dans la société le fait qu'on doit penser aux autres et on ne doit pas simplement penser à soi-même. Et c'est, en fin de parcours, c'est ça qui va être critique pour l'éthique de décision qui va recevoir les vaccins. Alors, revenons au contexte marocain, vous avez certainement suivi les mesures préventives prises par le Royaume pour faire face à cette pandémie. Quelle serait votre propre analyse de la situation au Maroc ? Bon, ma connaissance est limitée, étant donné que je ne suis pas là, etc. Mais bon, d'après ce que j'ai vu, je dois dire vraiment chapeau d'un point de vue de réaction très très rapide, décisions courageuses qui sont, d'après ce que j'entends, strictement et rigoureusement respectées. Et je pense que dans la société marocaine, c'est important de pouvoir guider les gens à comprendre les conséquences de ne pas respecter le distancement social. Et d'après les chiffres que j'ai entendus, le distancement social ayant été appliqué très tôt et de manière très rigoureuse semble bien marcher. Ce qui m'impressionne, parce que je me disais, mon Dieu, il y a une telle densité de population dans les villes, par exemple, et impossibilité de se séparer dans la pratique des choses. Plusieurs personnes qui habitent dans une même chambre, plusieurs personnes qui habitent dans des maisons très, très petites ou des appartements, ça va être terrible. Apparemment, il y a un grand contrôle. Ce qui m'a surpris quand j'avais fait l'interview avec 2M, c'est que la personne responsable au Maroc, le ministère de la Santé, je crois que c'était le docteur Lioubi, a parlé du nombre de tests qui étaient effectués par jour, qui étaient 170 ou 180. C'est un tout petit nombre. Donc, si j'ai quelque chose, une remarque à faire, c'est il faut faire énormément plus de tests pour savoir où est-ce qu'on se trouve par rapport à cette épidémie. Des tests de détection de virus, mais aussi des tests de détection des anticorps contre le virus pour savoir toutes ces personnes qui ont été en contact avec le virus mais qui ne sont pas tombées malades. Ces deux informations sont très importantes. Et la deuxième chose que je dirais, c'est qu'il faut bien réfléchir à l'utilisation de l'hydroxychloroquine parce qu'en tout cas, jusqu'à présent, il n'y a pas une démonstration concrète de son efficacité. Utilisation dans les personnes qui sont autrement saines. Franchement, de prime abord, bravo. À présent, nous allons changer de registre pour parler de ce potentiel marocain.
ayant émergé suite à cette crise inédite. Vous êtes un des chercheurs émérités aguerris dans le monde dont nous en sommes particulièrement fiers. En préparant cette rencontre, j'ai constaté à quel point vous êtes un advocateur de la méritocratie et de la détermination. Et vos collègues sont presque unanimes à dire que vous mettez du cœur en ce que vous faites. Quel serait votre message, your legacy, pour nos jeunes étudiants d'HEM aujourd'hui? Bon, en fait, comme je l'ai dit un peu au départ, il faut toujours être humble et se rappeler de quel parcours a-t-on eu qui nous a mené à là où on se trouve aujourd'hui. Et donc, comme je l'ai expliqué, personnellement, c'est une combinaison de choses que je faisais moi-même et le hasard qui m'a mis au bon moment, au bon endroit, dans certaines situations que j'ai saisies. Ayant ça en tête, je dirais ce que j'ai appris. D'abord, la passion, c'est très important. Mais je dirais la passion, l'intérêt de la passion, c'est quoi la passion? C'est qu'elle est complètement dirigée vers ce pourquoi on est passionné. Elle n'est pas dirigée vers soi-même. Sauf si on est un mégalomane, on est passionné par rapport à soi-même, mais ce n'est pas ça que je parle. En fait, c'est très important de savoir est-ce qu'il y a quelque chose qui me passionne? Parce que l'énergie requise pour réussir, je pense, elle doit être maintenue à très long terme. C'est la deuxième chose, c'est que parfois je m'inquiète que la société actuelle est fondée sur des récompenses rapides, alors que dans la réalité des choses, une réussite réelle n'est jamais quelque chose qui se passe rapidement. C'est quelque chose qui se passe longuement au cours du temps, avec un effort qui est consistant, qui reste logique avec lui-même, qui n'est pas contradictoire, qui est basé sur des vraies valeurs, parce que c'est ça le point des vraies valeurs, c'est que, moi je disais toujours à mes enfants, il ne faut pas mentir. Ils me disaient, mais pourquoi est-ce que je ne dois pas mentir? Je disais, voilà le problème, quand on ment, on doit se rappeler ce qu'on a dit. Et si on n'a pas une bonne mémoire, tout le monde va savoir qu'on a menti. Alors que quand on ne ment pas, on se rappelle toujours de ce qu'on a fait. Parce qu'en fait, et même si on ne se rappelle pas, si on a une boussole interne qui ne dévie pas, ben on sait exactement toujours où est le nord. Et donc, on n'a pas besoin d'inventer ou de réinventer. My learning dans ma vie de ensuite devenir le leader de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de personnes, c'est de constater qu'au-delà, bien sûr, de l'intellect qu'on apprend, etc., ce sont ces valeurs-là qui font toute la différence. C'est l'authenticité, c'est la transparence, c'est le courage. Et le courage, ça veut dire quoi? C'est de pouvoir dire, c'est de dire ce qu'on pense plutôt que de dire ce qu'on pense que les gens voudraient qu'on dise. Ce qui est très, très, très différent. Et donc, et tout ça existe grâce à une énergie qui reste là parce qu'on est passionné par quelque chose. Et moi, je n'ai jamais dit à mes enfants, je veux que vous soyez X ou Y ou Z. J'ai toujours dit, qu'est-ce que tu aimes faire? Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est essayez vraiment de réfléchir. Et dans mon cas, ça m'est arrivé une fois que j'ai été exposé réellement grâce à Jacques Urbain en fin de parcours. Donc, j'avais probablement 23 ans ou 22 ans à ce moment-là. C'est à ce moment-là que mon plus grand aha est arrivé. Ah, c'est l'immunologie. Bon, j'adorais la biologie humaine, mais j'aurais pu partir dans n'importe quelle direction. J'aurais pu être un médecin. Mais j'ai trouvé quelque part, à un certain moment, quelque chose où j'ai vraiment accroché. Il faut être attentif à ce qui vous passionne. Il ne faut pas s'attendre à réussir très vite. Je trouve qu'il ne faut pas, il faut mériter ce qu'on a, il ne faut pas le demander. Mais il faut que ce soit dans la tête parce que ça vous donne aussi plein d'énergie.
Et je pense qu'il faut, enfin, il faut rester humble. Il faut rester humble. Il y a énormément de différentes formes de réussite. Franchement, j'aurais été tout aussi heureux, à mon avis, à faire autre chose si cette autre chose m'était était passionnée. Donc, il faut être réaliste. Tout le monde ne peut pas découvrir des choses extraordinaires. Mais ce qui est important, c'est de découvrir ce que vous aimez, d'être authentique et réel par rapport à ça, et d'avoir la persistance de continuer votre effort jusqu'à ce que vous y arriviez. Et enfin, en parlant de ça, une des choses que j'ai trouvé extraordinaire au fur et à mesure que je montais dans la hiérarchie de l'entreprise, c'est qu'en fait, à un certain moment, c'est plus du tout l'intellect qui fait que les gens continuent à monter ou pas. C'est le quotient émotionnel, comme j'ai appris. Parce que dans la pratique des choses, en tout cas quand on travaille avec les gens, moi je me rappelle, je disais aux gens, ben, il y a 15 000 chercheurs, vous connaissez 100 000 fois plus de choses que moi. Pourquoi est-ce que vous allez vous réveiller le matin et travailler sur quelque chose où moi j'ai décidé qu'on allait travailler dessus? Ça n'a pas de sens. On n'est pas dans un monde d'esclavage ou d'autoritarisme. La chose qui fait que les gens s'alignent derrière un objectif, parce que souvent, pour avoir de plus en plus d'impact, on doit impacter de plus en plus de gens, en fait, c'est inspirer les gens. Et pour inspirer les gens, ce n'est plus l'acuité intellectuelle. Il ne faut pas être débile, bien sûr. Non, mais je dis, au-delà de l'acuité intellectuelle, c'est cette capacité d'inspirer, cette capacité de créer la confiance, parce que les gens sentent que le vrai vous, c'est ça qui leur parle. C'est pas une acting, je sais pas comment on dit. C'est pas de la comédie. C'est pas, ah tiens, pour parler aux gens, je dois parler comme ça. Et ça demande franchement énormément d'énergie et de courage de quelque part se déshabiller ou montrer sa fragilité. Donc je parle maintenant donc intellectuellement, émotionnellement. Mais c'est ça la clé. Ça demande bien sûr énormément de force interne de pouvoir le faire. Mais ça vous donne. Mais pour ça, il faut être authentique. Si tout ce que vous avez construit est basé en anglais on dit hot air, sur de l'air chaud, il sert à rien. Hein. Il monte et puis il s'en va. Donc il faut du concret. Voilà. Avant de passer aux questions de notre public, je vous donnerai quatre phrases et je vous laisse le soin de les compléter. Alors, première phrase, le leadership pour moi, c'est... Donc, authenticité, humilité, courage, écouter. Ce que j'ai appris durant toute ma carrière professionnelle. Bon, ben, c'est les mêmes points de leadership et que. En fait, même dans un domaine où des idées individuelles sont critiques pour commencer une nouvelle entreprise, entreprise dans le sens d'entreprendre quelque chose, il faut toujours une équipe ou des équipes pour que cette chose devienne une réalité, toujours. Et donc, développer en même temps, et je trouve que notre système d'éducation, en tout cas à mon époque, ne faisait pas ça bien, mais développer en même temps l'intellect et le quotient émotionnel des gens pour pouvoir travailler en équipe, faire partie d'une équipe ou diriger une équipe, parce qu'on passe de l'un à l'autre tout le temps, est critique. Et donc ce que j'ai appris dans ma vie professionnelle, c'est que c'est blanc et noir. Il faut être raisonnablement malin et avoir appris plein de choses,
d'une part, et d'autre part, il faut vraiment être émotionnellement intelligent, qui est pour moi le leadership. Mon prochain plus grand défi, c'est... Je dirais que c'est continuer à trouver des moyens de donner. Je pense que j'étais extraordinairement chanceux. En fait, il y a un mot en anglais qui je trouve meilleur que chanceux. Fortunate. Je ne sais pas comment on dit en français. J'étais extraordinairement chanceux de pouvoir me trouver dans des situations qu'ensuite j'ai saisies pour accomplir ce que j'ai accompli. Et j'ai, depuis très longtemps, depuis probablement au moins 20 ans, je me suis focalisé sur le fait de donner en retour. Soit littéralement parce que je sais très bien, il y a des personnes qui ont tellement impacté ma carrière. Et c'est le fait de passer du temps avec les gens. C'est d'ailleurs pour ça que je fais cette discussion aujourd'hui. C'est de pouvoir aider à allumer les étincelles chez les gens. Parce qu'on a tous une étincelle. Et donc ça, c'est, je dirais, d'un point de vue individuel. Mais aussi de continuer à aider à faire des vaccins ou des médicaments ou impacter l'éthique de la distribution des vaccins. Je veux dire, tout mon focus est là-dessus maintenant, encore plus qu'il l'était avant. Et mon challenge, c'est de continuer à trouver les manières de le faire. Et puis, vous avez évoqué au tout début de cette rencontre la relation que vous aviez avec votre papa. J'ai envie de dire à mon père aujourd'hui. Merci. Merci. Malheureusement, il est mort il y a 33 ans. Merci. Merci à vous, Monsef, et merci pour ce beau partage. Sans trop tarder, je vais passer aux questions après votre permission. Bien sûr. Alors, j'ai une question de la part de Dr Yasmine Ben Amour, directrice générale de HEL. Alors, concernant COVID-19, que pensez-vous de l'option ou solution d'immunité collective évoquée par vous? Oui, mais je pense que, franchement, si on avait un moyen d'isoler complètement les personnes les plus à risque, ça pourrait être quelque chose d'envisageable. Si on avait les moyens, si on est dans une société où la discipline sociale est très 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 élevée, de manière telle à ce que les gens, même s'il n'y a pas de directive de distancement, respectent toutes les règles qui évitent qu'on permette au virus de se transmettre, je serais pour. Et en fait, c'est extraordinaire. Il y a un pays qui est en train de faire ça, c'est la Suède. Et ils n'ont pas beaucoup de cas. Mais je pense que la majorité des pays du monde, malheureusement, n'ont pas la capacité, soit, je dirais culturellement, soit pratiquement aussi à cause des conditions de vie, de densité de population, etc., pour pouvoir faire ça. Alors, si on ne peut pas faire ça, je pense qu'on ne peut pas se permettre en tant que société de décider de condamner énormément de gens à disparaître. Et je sais que c'est un énorme problème éthique. Et donc, je ne suis pas pour ouvrir complètement. Par contre, je suis pour ouvrir partiellement. Je suis pour qu'on teste les gens, toutes les personnes qui sont positives. Et comme je disais, il y a probablement 1000 fois plus de personnes positives qu'il n'y a de personnes
qui sont décédés. Il y a un rapport de 1 à 1000. Si je regarde aux États-Unis, il y a 50 000 morts. Ça veut dire que probablement, il y a entre 25 et 50 millions de personnes qui sont positives. C'est vrai dans tous les pays. Ces personnes, si on peut les identifier, pourraient retourner au travail pour que la société se réouvre. Si les personnes sont jeunes et sont capables objectivement de ne pas infecter et mettre à risque des personnes à risque, parce qu'elles vivent toutes seules, etc., et qu'on est clair qu'elles vont respecter cette distanciation partielle, on pourrait réouvrir. Et je dis ça en pensant aussi qu'on va avoir un vaccin dans les 10 mois, 12 mois qui viennent. Et donc, on peut faire un trait d'union avec une ouverture partielle. Pendant l'ouverture partielle, on va augmenter le nombre de gens infectés, donc on va augmenter l'immunité collective, mais pas au niveau où elle va arrêter le virus. Scientifiquement, on sait qu'il faut à peu près 75%, 70 à 75% des gens soient immuns pour que ce qu'on appelle le R0 du virus, la capacité du virus à se propager, diminue. Bon, on n'y est pas. Alors, une autre question. Comment continuez-vous à gérer votre engagement à contribuer au bien-être des hommes et les impératifs économiques de l'industrie pharmaceutique qu'on qualifie de gourmand? Question posée par Madame Hindley. Ah, donc il y a deux questions. La première, c'est la manière dont je continue à m'impliquer. Elle est à deux niveaux. Un premier niveau que j'ai fait juste en mon nom personnel est de rejoindre les conseils d'administration, le board, de plusieurs compagnies de biotechnologie que je pensais avaient des technologies prometteuses et potentiellement importantes, et de rejoindre ces boards avec l'objectif principal de les aider à réussir. Et donc Moderna est une de ces entreprises. Et je suis très actif dans ces entreprises, et bien sûr elles vont réussir économiquement, mais je sais au fond de moi, enfin, j'espère pour elles, en tout cas un certain nombre, mais je sais que pour moi ça n'a jamais été mon moteur, la réussite économique. Bon, j'ai la chance franchement d'avoir énormément de confort financier, mais ça n'a jamais été mon moteur et ça ne l'est pas. Donc ça, c'est une première manière. Une deuxième manière est de participer à ce fonds d'investissement pour aider des entrepreneurs avec des idées intéressantes à créer leurs entreprises et à les aider à réussir, donc encore plus en amont dans le processus. Les entreprises pharmaceutiques sont gourmandes, et quand j'étais dedans, j'ai énormément avec le CEO et moi-même, j'étais le numéro 2 de GlaxoSmithKline, avions une politique que le reste des boîtes pharmaceutiques n'aimait pas tellement. On a voulu arrêter, mettre un cap sur le prix des médicaments. On a toujours dit qu'il fallait donner les médicaments et les vaccins à des prix pratiquement à coût dans les pays en voie de développement, les pays les moins riches. Et dans les couches sociales, même dans les pays plus riches, chez les personnes qui sont les plus démunies, etc. Ces phénomènes sont de plus en plus vrais dans la majorité des pays du monde, sauf par exemple, principalement sauf aux États-Unis. 60 à 70% des profits des boîtes pharmaceutiques se fait aux États-Unis. Les inégalités sont inimaginables ici par rapport à plein d'autres pays. Donc je continue à œuvrer dans cette voie-là. Mais bon, on vit dans un monde et une structure de société où le succès économique est impératif. Et c'est un problème. Par exemple, si je prends les boîtes pharmaceutiques, le shareholder principal dans les boîtes pharmaceutiques,
c'est les boîtes de pension. Et les boîtes de pension, c'est la pension de tout le monde. C'est un gros problème, je pense qu'on doit rééquilibrer, mais humblement, je pense que il faut faire son chemin, faire son impact, je dirais, dans le monde qu'on peut impacter. Et puis le reste, il faut espérer que de plus en plus de gens impactent jusqu'à ce qu'on élise des personnes qui ont plus de valeur. C'est, malheureusement, ça a été, en tout cas dans un pays comme les États-Unis, ça a été dans le sens inverse dernièrement. Alors, les flux de questions continuent, tant mieux. Alors, une autre question. Alors, on dit que dans les meilleurs scénarios, un vaccin sera disponible dans 18 mois. Cependant, on ne peut imaginer un monde des économies en pause durant cette période. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives au confinement alors qu'on craint de nouvelles vagues de ce virus? Oui, mais donc c'est un confinement partiel, absolument. Je pense qu'on doit pouvoir ouvrir, mais il faut ouvrir de manière raisonnée et de manière contrôlée. Et le plus gros point pour ouvrir, c'est de tester les gens. Le deuxième plus gros point pour ouvrir, c'est qu'une fois qu'on teste les gens, il faut que les gens acceptent qu'on trouve des moyens, et il y en a particulièrement grâce aux technologies digitales, de les identifier anonymement, mais par exemple identifier leur téléphone comme étant chaud, rouge, de manière à ce que quand d'autres personnes viennent en contact avec ce téléphone-là, c'est-à-dire avec cette personne-là, on leur dise « attention, vous avez été en contact ». Il faut qu'on vous teste, est-ce que vous avez été infecté ou pas. Si vous avez été infecté, il faut qu'on vous mette en quarantaine. Si vous n'avez pas été infecté, vous continuez à œuvrer en société. C'est vraiment la seule manière d'ouvrir de manière raisonnable et ne pas faire exploser l'infection. Donc ça demande des produits pour tester, des produits, des applications au niveau des téléphones, et ça, je sais que Google et Apple, en travaillant ensemble, en ont déjà une, et il y en a certainement d'autres. J'ai en fait reçu des messages de certaines personnes au Maroc qui travaillaient aussi pour faire des applications pareilles. Et puis, mais surtout, il faut que tout le monde dans la société accepte cette forme d'ingérence individuelle, mais qui dans ce cas, j'espère, ne sera faite que dans le bénéfice de la société, puisque ça permettra d'ouvrir un peu. La pire des choses qu'on puisse faire, c'est d'ouvrir de manière inconsidérée et d'avoir un pic encore plus grand que le premier. Parce qu'alors, la conséquence de ça, au-delà des morts, etc., c'est que les gens ne croiront plus dans le système de santé publique, dans les décisions des politiciens, et ça va être le chaos total. Alors, une autre question. Comment vous prévoyez le mode de vie après le déconfinement? Et donc, combien de temps estimez-vous la reprise d'une vie dite normale? Comme on dit, I wish I knew. bon, comment est-ce que la vie sera de l'autre côté du déconfinement? À mon avis, elle sera tout aussi chouette et bien et positive. Qu'on peut la faire, parce que pour moi, après le déconfinement, réellement, ce sera quand on aura des vaccins et qu'on aura des médicaments. Et donc, le danger de mourir de cette pandémie diminue. En tant que société, on vit tout le temps avec des risques. Bien, la grippe tue probablement 200 000 personnes par an par le monde. On vivait parfaitement. Les voitures tuent des dizaines ou centaines de milliers de personnes par an. On vit avec tous les jours. On vit avec les risques tous les jours. Ce qu'on ne peut pas vivre avec, c'est un risque qu'on est incapable de saisir, qui peut toucher tout le monde, n'importe où, à n'importe quel moment. Donc, franchement, je suis de nouveau optimiste que cette pandémie, elle va finir par s'arrêter, soit parce que le virus aura infecté tout le monde,
soit parce qu'on aura fait les vaccins, et à mon avis, ça va être une balance entre les deux. Un certain nombre de personnes est en train d'être infectées, puis les vaccins vont arriver, puis des traitements vont arriver. On va contrôler ça. Et je pense que la nature humaine est telle que la vie reprendra, et reprendra comme elle était avant, avec des changements qui sont les nouvelles opportunités pour des entrepreneurs, que ce soit des changements au niveau de la société. Comme je disais, je pense que beaucoup plus de personnes vont travailler à partir de la maison. Peut-être pas exclusivement à partir de la maison, mais peut-être 2-3 jours par semaine. Je pense que l'équilibre familial va en être énormément impacté. Je pense que beaucoup de commerces se fera par e-commerce, et il y aura donc malheureusement du dommage au niveau des emplois, etc., puisqu'il y a plein de magasins physiques qui n'existeront plus de la même manière. Ce ne sera pas blanc ou noir, mais bon, la balance va changer. J'espère que la vaccination sera mieux acceptée de par le monde, parce qu'on aura une meilleure réalisation de son impact. Je parle de la vaccination en général, de toutes les maladies qu'on peut éviter. J'espère qu'on aura plus d'investissement dans l'industrie de la santé, de par les systèmes de santé publique, pour prévenir des nouvelles pandémies. Et puis aussi, j'espère franchement que l'exacerbation de l'inégalité sociale que la pandémie est en train de démontrer va permettre des changements politiques, comment les gens votent, pour qui ils votent, et qu'on puisse avoir des systèmes politiques qui sont plus balancés, vers une plus grande équité. Donc je suis optimiste de l'autre côté. Alors, peut-être deux autres questions. Je sais que vous avez un agenda très chargé, donc nous vous remercions pour tout le temps que vous nous avez dédié. Donc je vais enchaîner avec deux autres questions. Alors, la prochaine, est-ce que c'est vrai que le groupe sanguin O a moins de chances d'être contaminé? En fait, je vais répondre, on ne sait pas, puisqu'on est en train de découvrir qu'il y a 10 à 50 fois plus de personnes infectées que ce qu'on pensait. Alors, est-ce que les personnes qui ont un groupe O sont ont moins de chances d'être malades? De nouveau, on ne le saura qu'en sachant combien de personnes et qui a été infecté, et est-ce qu'il y a une différence de balance. Pour l'instant, je suis au courant d'aucune donnée qui suggère que le groupe sanguin joue un rôle. Mais, comme j'ai dit, la vraie réponse viendra du moment où on saura quelle est la distribution de l'infection par les différents groupes sanguins, et quelle est la distribution de maladies par différents groupes sanguins. Et est-ce qu'il y a une différence de la proportion de personnes qui passent d'être infectées à être malades? Ça, on ne sait pas encore. Alors, cette crise a révélé beaucoup de potentiel marocain à l'extérieur comme à l'intérieur du Maroc. Ne pensez-vous pas que c'est un moment opportun pour unir ces potentiels et booster l'économie marocaine tous azimuts? La réponse est bien sûr oui. Il faut qu'on chaque fois qu'on a un momentum derrière quelque chose qui regroupe du talent, il faut absolument le continuer, parce que la clé du succès social et économique, c'est le talent, c'est les personnes. Mais il faut faire attention que dans beaucoup de domaines, le talent tout seul ne peut pas performer. Il y a tout un écosystème autour de ce talent qui doit être là pour performer. Et je pense qu'un pays comme le Maroc doit vraiment réfléchir profondément à quels sont les domaines où on a une masse critique des éléments de l'écosystème qu'il faut pour que des activités soient réellement effectives. Je vais dire, par exemple,
Franchement, si le Maroc voudrait compéter pour développer un médicament contre, je sais pas, le diabète de type 2 ou un vaccin contre Covid-19, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Parce que la compétition est tellement plus avancée et il faut tellement d'activités différentes, c'est ça que j'appelle l'écosystème, pour que la découverte d'un vaccin marche, que fonctionne, que les chances sont nulles. Par contre, il y a certainement des activités où notre talent au Maroc et en dehors du Maroc pourrait permettre au Maroc de progresser très fort. Ça, c'est un, donc, en étant, disons, spécifique. Et la deuxième, c'est que tous les Marocains qui ont une expérience au niveau du développement du talent et du leadership peuvent aider de manière qui n'est pas spécifique à une industrie ou à une activité ou l'autre, mais qui est plutôt spécifique à développer le talent, le leadership des personnes par du coaching, par du mentoring, par des activités comme celle-ci où absolument il faut le faire et en faire plus. Notre rencontre touche à sa fin. Au nom de toute la HEM Family, je vous remercie du fond du cœur pour votre grande humilité, pour ce beau partage et aussi pour votre bienveillance. Que vous souhaitez alors de la joie, de la félicité et beaucoup d'accomplissements, Inch'Allah. Merci. Alors, en ces temps de jamais vu, nous voici mis au travail, cher public, contraints à apprendre que c'est le moment de penser à une refondation du monde. Tel est le défi qui nous est adressé à l'échelle de nos familles et du voisinage, tout comme à l'échelle planétaire, avec ceux qui ne parlent pas notre langue forcément, qui n'organisent pas le monde avec les mêmes catégories que les nôtres. Sans doute faut-il considérer ce temps de pause comme un temps pour faire la paix, de lire en nous qui nous sommes et mesurer avec sagesse comment prendre place dans une planète épuisée. Encore une fois, cher public, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui et restez fidèles aux activités de HEM et Ramadan Mubarak. Merci. Peut-être, Monsef, vous souhaitez rajouter quelque chose, un mot de la fin peut-être? Je voudrais juste, franchement, d'abord vous remercier, vous féliciter d'organiser un événement pareil. Je trouve que c'est génial. J'espère pour vous et pour toute l'audience que quelque chose vous a inspiré, vous a excité, vous a donné de l'énergie, ou en tout cas vous a intéressé. Et je vous souhaite aussi un Ramadan Karim. Et voilà, merci beaucoup. Franchement, j'ai beaucoup apprécié de passer 1h30 avec vous. Merci encore une fois et à très vite. Merci encore et encore. Shukran. Merci.